Bonsoir, bienvenue au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons en direct sur la chaîne YouTube du Muséum. Ce soir, nous allons parler de sorcières contemporaines, donc du mouvement spirituel Wicca en plein essor aux États-Unis aux pratiques activistes féminines. La sorcière est devenue une figure de féminin contemporain. La sorcellerie s'entremêle avec de nouvelles spiritualités, luttes politiques et combats LGBTQI+, source de fierté et de réappropriation de la puissance féminine. Pour en parler ce soir, donc juste un petit détail, donc cette conférence est en ligne directe sur la chaîne YouTube du Muséum, ça vous commencez à en avoir l'habitude et on vous remercie de nous suivre. Vous pourrez la voir aussi ensuite en replay sur la chaîne pendant plusieurs jours. Donc deux invités avec nous ce soir qu'on est très contente de recevoir. Pour en parler, Céline Duchesnet. Céline Duchesnet est avec nous. Céline est auteure de documentaires radio à France Culture et chroniqueuse pour l'émission Mauvais Genre, que vous avez peut-être déjà entendu sur les ondes. Émission consacrée aux marges artistiques, à l'étrange et à l'érotisme. Bonsoir Céline, je pense que la connexion est bonne et que vous m'entendez. Ouais, très bien, bonsoir. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont Les sorcières, une histoire de femme, livre paru en 2019. Et ce livre fait suite à une série radiophonique intitulée Sorcières, parue en avril 2018 et réalisée avec Laurent Polleret sur France Culture. Je pense que c'est correct. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons aussi une seconde invitée, Marie Lizelle. Marie Lizelle, je n'ai pas votre retour. Oui, super, merci. Bonsoir Marie, j'espère que vous allez bien, ça a l'air de marcher aussi. Marie Lizelle, vous êtes praticienne en hypnose ericksonienne, vous êtes artiste, vous vous nommez aussi sorcière, queer, et vous n'êtes pas inconnue du tout au Muséum de Toulouse, puisque vous êtes co-créatrice de l'installation sonore Magie intérieure, qui est présente dans l'exposition Magie sorcellerie du Muséum de Toulouse. Exposition ouverte, mais fermée, mais bientôt ouverte. Voilà, c'est ce qu'on espère. Donc vous êtes là toutes les deux parce qu'effectivement on a cette exposition et que cette thématique est en lien. Il nous a semblé important de parler de ce mouvement de sorcières contemporaines. Donc l'intention, c'est aussi de vous donner la parole, à ceux qui nous suivent ce soir. On va prendre toutes les trois pour discuter une trentaine de minutes, pour essayer de lancer un peu le sujet, de voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui, de mieux comprendre les questionnements aujourd'hui auxquels cela fait référence, et puis de donner très vite la place aux questions, à vos questions en ligne que nous recevons, puisque vous avez la possibilité d'écrire sur le chat YouTube. Donc, je vais tout de suite commencer par Céline. Alors, est-ce que je vous m'entendez bien? Je vais m'adresser tout de suite à vous. Céline, merci. Bon, pour recontextualiser un peu, vous avez réalisé une enquête, une recherche sur le thème de la sorcière qui a abouti à une série radio en 2018, puis un livre, donc je pense qu'on va bientôt voir la couverture en ligne, un livre en 2019, c'est un livre qui est disponible à la bibliothèque du Muséum de Toulouse et que vous pouvez aussi acheter en librairie. Première question, Céline, qu'est-ce qui vous a conduit vers ce sujet et l'idée que la sorcière était une figure qui existait toujours? Eh bien, c'est grâce à l'émission Mauvais Genre à laquelle je travaille, où je travaille depuis peut-être, je ne sais plus maintenant, une quinzaine d'années. Dans cette émission sur France Culture, j'ai l'habitude d'interviewer j'ai une chronique qui s'appelle l'Encyclopédie pratique des mauvais genres, où où je donne la parole une fois par semaine à un artiste ou une artiste, je dirais plutôt issue des marges, ou en tout cas qui ne représentent pas le courant principal. Donc tout ce qui est les bas-côtés, la lisière, presque les bords de forêt, qu'elles soient urbaines ou rurales, m'intéresse à partir du moment où il s'agit d'art. Et dans le cadre de cette chronique, je crois que c'était en 2010 très précisément, j'ai rencontré une première personne qui m'a parlé des sorcières et des sorcières d'aujourd'hui. Et très vite après, j'ai rencontré une sorte de peut-être pas de multitude, mais en tout cas un nombre conséquent de jeunes femmes, essentiellement, même s'il y avait aussi de jeunes hommes, qui se disaient sorcières. Et ça m'a interpellée parce que ça ne correspondait pas du tout à l'image que moi j'avais, a priori, des sorcières. Pour moi, les sorcières, c'était des personnages qui étaient liés à l'histoire et à cette fameuse chasse aux sorcières qui date grosso modo des 16e, 17e siècles. C'est aussi
le personnage qu'on peut, un personnage de fiction qu'on peut trouver dans les contes de fées, qu'on peut trouver dans la littérature. Pour moi, la grande figure de la sorcière, c'était aussi le livre de Jules Michelet qui date de 1862 et qui s'appelle La sorcière, où là, vraiment, on a une représentation d'une femme sorcière assez flamboyante, romantique, rebelle. Mais ça ne correspondait pas à ces jeunes femmes que j'avais là sous les yeux, qui étaient avant tout des jeunes femmes avec un discours très politique, militant, féministe, queer en effet, et qui avaient et qui pratiquaient aussi la magie. Et donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, ce serait intéressant de s'y pencher un peu plus. Et j'ai la chance en France Culture d'avoir une case qui nous permet d'explorer un thème assez en profondeur, qui s'appelle donc la série documentaire et qui permet de traiter un sujet sur 4 heures, ce qui n'est pas rien tout de même. Donc j'ai proposé ce projet-là il y a longtemps. Entre temps, il y a eu 20 ans de Mauvais Genre, donc du coup je n'ai pu le faire qu'en 2018, mais c'était quelque chose qui était dans les tuyaux depuis un moment. Et avec 4 approches, donc la sorcière historique, la sorcière je dirais plus anthropologique, la sorcière dans l'histoire de l'art, pourquoi est-ce qu'elle peut être tour à tour laide, vieille et belle et désirable, et puis ces fameuses sorcières politiques que j'avais pu, politiques, artistiques aussi, et avec un acte spirituel et je dirais magique assez important dans leur vie, je voulais aussi m'intéresser à elles. Et ce qui me permet d'ajouter d'ailleurs que c'est pour cette raison que j'ai décidé de travailler sur les sorcières au féminin et pas les sorciers, parce que le terme au masculin ne me permettait pas d'avoir un spectre aussi large, puisque moi je voulais en arriver à ces jeunes femmes. Et quand on dit sorcier, je trouve que le mot est plus limité que sorcière, puisque des sorcières, il y en a encore aujourd'hui. Et peut-être dernière petite précision aussi, c'est compliqué quand on utilise ce terme de sorcière, parce qu'il y a tout un tas de figures qui peuvent, j'ai simplement évoqué la chasse aux sorcières et puis les sorcières qu'on peut croiser dans les contes de fées ou dans la littérature, mais évidemment on peut aussi parler des guérisseurs, guérisseuses, on pourrait aussi les appeler penseurs de sorts, ou alors il y a les coupeurs de feu, les rebouteux bien sûr, et on pourrait aussi dire que la sorcière ou le sorcier, c'est une personne qui soigne, et je pense qu'on connaît tous des gens, quand on a un problème, qu'on peut aller voir pour essayer de résoudre ce problème-là. Mais là, ces personnes-là se disent quand même globalement rarement sorcier ou sorcière. On va plutôt avoir rebouteux ou magnétiseur ou énergétiseur. Donc voilà, je me suis intéressée à ça aussi parce que ce mot, je trouve, est assez extraordinaire entre son origine qui veut dire jeteur de sorts et la manière dont on l'emploie aujourd'hui. Je trouve ça toujours assez fascinant de voir comment est-ce que les mots peuvent voyager dans l'histoire, dans les livres et puis aussi dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup. Alors, juste, je voudrais qu'on recontextualise. On a déjà fait une conférence, effectivement, au Muséum, dans les Jeudis du Muséum, puisqu'on fait tout un cycle sur la thématique magie, sorcellerie. Vous l'avez compris, c'est notre un peu chapeau, c'est le sujet sur lequel on s'intéresse toute cette année, ici. On a fait une conférence, bien sûr, sur l'histoire des sorcières. Avant de préparer, pour moi, les sorcières, avant de préparer ce thème, c'est uniquement cette période de chasse aux femmes. Est-ce qu'on peut juste revenir, et vous pouvez redonner un peu pour qu'on comprenne bien la comparaison et pour qu'on voit le lien s'il y en a un, si les sorcières ont disparu avec les sorcières contemporaines, est-ce que vous pouvez nous redire un tout petit peu en quoi consistait cette période où on a dénommé, où la sorcière était une femme dénommée, qu'on chassait ou qu'on traitait en justice de manière un peu violente, très brièvement. Voilà, c'est une période qui a duré quelques temps, une centaine d'années, c'est ça ? Un peu plus. Alors, la difficulté avec les sorcières, c'est qu'on peut jamais faire court, simple, parce que on tombe vite sur des raccourcis et des généralités. Et je crois que le sujet, et c'est ça qui est passionnant, le sujet est vraiment complexe. Et d'un point de vue historique aussi, si on veut faire quelques généralités, on peut dire que grosso modo, la grande période de la chasse aux sorcières, c'est certainement pas le Moyen-Âge comme on l'a longtemps cru, et la faute à Jules Michelet, qui est celui qui s'est trompé. Mais bon, ça, c'est une longue histoire qu'on n'a pas le temps
développé là, mais c'est quand même essentiellement 16e, 17e siècle, même si les grands manuels de démonologie qui ont, je dirais, fait le portrait robot de la sorcière datent de la fin du Moyen-Âge, avec ce triste best-seller de l'époque qui s'appelait Le Marteau des sorcières et qui est vraiment qui est paru à la toute fin du Moyen-Âge, mais c'est un livre qui a énormément circulé dans toute l'Europe. Donc, si on veut essayer de résumer les choses, on peut dire que c'est ces deux siècles-là, qu'il y a un axe médian qui irait, je dirais, du nord de l'Italie, qui remonte comme ça le long du Rhin, mais ça n'empêche qu'il y a eu des chasses aux sorcières au Pays Basque, en Normandie. Ça correspond très souvent à des zones de fracture. L'Europe ne va pas très bien non plus à ce moment-là. Il y a des conflits autour de la religion, bien sûr. Il y a eu des grands épisodes de peste, de famine. Et à un moment donné, on en est arrivé à expliquer, je dirais que c'est tout simplement le principe du bouc émissaire. Il est toujours plus facile d'expliquer les malheurs du monde en disant que c'est la faute de quelqu'un. Il y a eu un moment, c'était dans l'histoire par exemple du Moyen-Âge, ça a été les Templiers, les Juifs, les lépreux, et à un moment donné, ça a été les femmes. Donc, la chasse aux sorcières, c'est à peu près maintenant les chiffres, on en est à peu près, enfin, on en est un petit peu plus sûr, on va dire que c'est à peu près 80% de femmes qui ont été brûlées pour 20% d'hommes, mais il ne faut pas oublier les hommes, car en fonction des régions et des moments d'histoire, il y a eu des moments où c'était plus les hommes qui ont été brûlés, d'autres plus les femmes, il y a eu des moments où c'était plus en zone rurale, mais sur la fin de la chasse aux sorcières, les grands procès ont été des procès qui se passaient plutôt en ville. Donc, il y a toujours cette difficulté, finalement, quand on parle de cette période-là, à essayer d'être précis, alors que les choses sont assez variées et que, surtout, entre-temps, on a beaucoup revisité cette époque-là et que c'est une période aussi qui a permis de développer d'autres pensées qui n'étaient peut-être pas spécialement en cours au moment de la chasse aux sorcières. Au moment de la chasse aux sorcières, les femmes, quand elles étaient brûlées, c'était ni des féministes ni des militantes. Il n'y avait pas je pense que ce serait un anachronisme de dire que c'était le cas. Et ça me permet aussi de dire une chose, je vous parle là d'où je vous parle, c'est que je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, je suis auteur de documentaires, c'est vrai que j'ai longuement travaillé sur ce sujet-là, mais ce que je dis... mon travail a été d'aller chercher la parole là où elle pouvait, selon moi, être le plus juste, donc auprès d'historiens, auprès de sociologues. J'ai après interviewé un certain nombre de sorcières aussi, mais la personne que vous avez devant vous, quelque part, représente plus une synthèse de tout ce que ces gens m'ont donné et m'ont offert en temps de parole, et c'est ce que je vous délivre aujourd'hui. Mais je ne suis pas historienne, hein, je n'ai absolument aucun souci par rapport à ça, je ne tiens pas à me prétendre autre que celle que je suis, mais voilà ce qu'on pourrait dire à peu près de la chasse aux sorcières. Et moi j'ajouterais que la chasse aux sorcières, c'est avant tout une histoire de délation, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous débarrasser de votre voisin ou de votre voisine, la meilleure manière que vous aviez à l'époque de le faire, c'était de traiter cette personne de sorcier ou de sorcière, parce que c'était ça correspondait quasiment à une mise à mort. Parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'avocat. On rentrait dans une sorte de processus qu'il était très difficile d'arrêter. Donc, pour moi, je crois que la chasse aux sorcières, outre l'aspect extrêmement important autour de la misogynie et d'une société qui est extrêmement misogyne, avec une religion qui est extrêmement misogyne aussi, c'est aussi avant tout beaucoup de bassesse humaine. L'être humain, j'aime pas trop quand on dit l'homme en parlant des femmes, l'être humain est capable bien évidemment de ça, et on l'a vu à plus d'un moment dans l'histoire. Merci beaucoup Céline, on comprend bien, vous nous avez fait un très beau résumé de ce moment en fait, qui est principalement un moment de persécution envers un groupe, un genre, la femme, à un moment donné, comme ça a pu l'être à d'autres. Et ça c'est une période qui est quand même datée, avec un début plus ou moins, une fin, une dernière sorcière qui a été jugée, je ne sais plus si elle a été brûlée, mais en tout cas vous le racontez très très bien, il y a un procès qui est documenté, que vous précisez très bien dans votre livre, que j'invite évidemment à lire, parce que ça donne vraiment matière.
Ça, c'est pour la partie historique. Ce soir, effectivement, on est là principalement pour parler de la sorcière contemporaine, et c'est ce qui nous intéresse, puisqu'on a, en dehors de cette période historique et tragique et qui a mené quand même pas mal de femmes à la mort, on a eu derrière aussi un vent médiatique, une imagerie de la sorcière, un peu romantique, romantisée. Ça aussi, c'est des choses que vous dites, que vous présentez très bien. D'ailleurs, votre livre est joliment illustré. Vous avez trouvé énormément de documents qui étayent visuellement. Ça, c'est mon éditrice. Mais, qu'il faut remercier. D'accord. Moi, on peut la féliciter aussi. Ça agrémente énormément le propos de votre écriture. Enfin, j'ai apprécié le lire et je pense que les lecteurs, ça sera pareil. On revient du coup aujourd'hui sur du contemporain. Ce que je voulais dire, c'est que je sais plus, j'ai un peu perdu mon propre fil. On ramène voilà à du contemporain et j'ai un peu perdu mon fil. C'est pas très grave. On va partir sur autre chose. Quel est le lien finalement entre oui entre, c'est ça. C'est-à-dire que c'est assez clos. Voilà. Oui. Absolument. On a un peu clos ça. On a vu une imagerie un peu romantique populaire et puis quelque chose d'un peu qui rentre dans les contes. Vous l'avez dit aussi, qui est assez présent dans quand on a des enfants. On sait, on lit des histoires. C'est toujours là. Par contre, on aurait eu tendance à penser que cette figure n'avait pas disparu, mais que cette incarnation avait, elle, disparu. C'est ce que je pensais, moi, avant de travailler sur le sujet. C'est-à-dire que ça restait une figure populaire, imaginaire, imagée, à mettre en cinéma, en médias, en son, mais par contre pas incarnée. Et on découvre qu'il y a des gens qui se revendiquent, ou qui se nomment, ou qui se pratiquent sorcières. Et c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément dans le grand public. Et on a envie de comprendre un peu mieux ce que c'est. Vous avez donc rencontré pas mal de femmes, de jeunes femmes. Et on a avec nous Marie-Lizelle. Bonsoir Marie. Est-ce que je l'ai au bout de la caméra et du fil? Bonsoir Marie, re-re-bonsoir. Et voilà, avec vous Marie-Lizelle, merci d'avoir accepté notre invitation. On est dans quelque chose, on sort complètement des toiles d'araignée, des nez crochus, etc. Et tant mieux, ça c'est une figure pour les images d'enfants et c'est bien que ça existe. Mais sorcière, c'est un terme qui se porte aujourd'hui et qui veut aussi dire autre chose que vous acceptez de porter, que vous, parfois, peut-être, vous revendiquez. Vous allez me dire si revendiquer, c'est correct ou pas. Vous vous définissez comme sorcière, queer. Qu'est-ce que, Marie, vous entendez par ce terme? Et comment est-ce que cette identité a toujours été là pour vous? Est-ce qu'elle est arrivée et comment? Alors voilà, c'est un peu vaste, effectivement, ça relève un peu du parcours de vie, ma question. Donc je vous laisse, ou je te laisse, puisqu'on a discuté un peu avant, je vous laisse un peu choisir par quelle entrée y répondre, et puis on avisera à continuer à discuter. Bien, je vais prendre le fil par l'enfance. Je viens d'une terre de Macrale, donc je viens de l'Ardre belge. Donc, où les histoires de sorcières, de transformation en chouette et ainsi de suite, c'est vraiment très très vive. J'ai grandi avec les BD de Comès, Didier Comès et Jean-Claude Servet. D'ailleurs, la maison que j'habitais était dans une des bandes dessinées, les villages à côté aussi. Et toutes les représentations étaient vraiment très très familières. Quand on allait se promener, je me souviens que ma grand-mère nous disait « Attention, taisez-vous, on approche de la maison de la sorcière. » Et donc, c'était un imaginaire, en tout cas, qui était très, très présent. Et puis aussi, par la façon de vivre, dans le sens où j'ai rencontré des rebouteux et des rebouteuses quand j'étais petite et adolescente. Je me souviens d'une mauvaise chute à cheval où j'ai atterri chez un rebouteux parce que l'hôpital, ils n'arrivaient pas à gérer, et mon père, ni une ni deux, m'a emmenée dans le village à côté. Ma mère aussi s'est brûlée la main et a été soignée par une barreuse de feu en plus de l'hôpital. Hein, donc, c'était toujours les deux, mais on avait quand même des numéros de téléphone à disposition pour trouver la personne qui pouvait soulager. Donc voilà, j'ai encore connu ça, dans le sens où peut-être aujourd'hui c'est plus compliqué. Et c'est pas sûr, hein, quand j'en parle avec mes cousins et cousines, ils ont encore des numéros dans les poches. Hein. D'ailleurs, moi, j'en ai aussi, même en France. Voilà. Donc, c'est un terroir propice à se poser des questions par rapport aux sorcières. Maintenant, moi, quand j'étais petite et adolescente et jeune adulte, je ne me disais absolument pas sorcière. Je savais que j'étais bizarre par rapport à pas mal de personnes de mon âge, dans le sens où je m'entendais très bien avec les chats, avec les chevaux.
J'adorais regarder les insectes et me connecter aux arbres. Je rêvais beaucoup, éveillée aussi. Donc j'avais toute une vie intérieure et toute une connexion à la nature qui était très intense. Mais ça n'a jamais été dans mon esprit de la sorcellerie ou quoi que ce soit. C'est seulement après où je me suis rendu compte que dans les marges, dans le féminisme queer, dans les revendications de je ne suis pas nécessairement comme la société veut que je sois dans les catégories dans lesquelles on essaye plus ou moins violemment de mettre les femmes. Je me suis rendu compte à ce moment-là que bah, oui, il y a plein de personnes comme moi qui sont ressenties comme bizarres, hors système, entre deux genres, pas libres de leur corps, de leur sexualité, ou je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça peut encore être. Donc, qui vivent de façon différente dans les marges, qui se retrouvent dans la définition aussi des sorcières. Donc voilà, ça, je fais un saut de puce, je fais un saut de puce pour expliquer quand ça m'a fait tilt, ces histoires d'enfance. Je me revendique comme sorcière de façon politique, donc pour le féminisme queer, intersectionnel. Donc je suis une femme qui ne vit pas à la manière des femmes dans la société d'aujourd'hui. Je revendique un autre ordre, l'inclusion, l'arrêt des oppressions. Je suis reliée à la nature de façon très très forte et très quotidienne, même si j'habite à Paris. J'habite à côté du bois de Vincennes et j'y suis très très régulièrement. J'ai plein de plantes chez moi. Je voyage beaucoup aussi pour aller voir mes potes animaux, pas seulement les humains. Qu'est-ce qui fait encore que je me ressens sorcière? Bah, j'utilise la magie intérieure. C'est mon métier, dans le sens où je fais du soin par le rêve éveillé et l'hypnose. Et là, on est vraiment dans le monde, visiter son monde intérieur, aller rencontrer un renard, lui permettre de découvrir où on a mis les ressources qu'on avait perdues, laisser ses ressources transformer un organe à l'intérieur et puis chanter pour que cet organe s'ouvre à nouveau. Enfin, je fais ça toute la journée, c'est mon boulot. Donc le soin avec une magie intérieure qui recouvre des notions, enfin l'hypnose ericksonienne, hein, puisque je suis praticienne dans l'hypnose ericksonienne, le rêve éveillé, mais aussi le rituel, le travail avec les objets transitionnels, la connexion aux animaux. En été, je travaille avec des stagiaires et avec des chevaux. Mon assistant est un chien qui tient son boulot vraiment à cœur et qui devance mes demandes. Hein. Donc là, il y a aussi un truc très, très, très chouette, interespèce pour avancer dans son voyage, dans sa traversée pour les gens qui viennent. Je me ressens sorcière aussi par rapport aux rêves, aux voyages, dans le sens où dans les bandes dessinées, dans les romans, dans les films, on voit les sorcières qui se transforment réellement en chouette ou en oiseau et ainsi de suite. Dans le rêve éveillé, dans l'hypnose, dans les voyages avec les arbres, on le fait aussi, mais ça reste un voyage dans le monde intérieur, en connexion avec le monde extérieur. Donc tout ça, je le pratique au quotidien, et la première fois qu'on m'a nommée sorcière, j'ai été surprise, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, bah ok. Je n'utilise pas ce terme trop régulièrement, mais je l'accepte. Et puis c'est devenu vraiment très répétitif. Voilà, je dirais la reconnaissance par les pairs et aussi par des personnes qui n'ont rien à voir, hein, comme mon petit neveu, qui me dit, mais Tati, t'es une sorcière. Parce que je lui montrais le monde des araignées dans la pelouse et je lui disais, mais regarde, si tu respires différemment, viens, on va se mettre là. Et il disait, ah, mais t'es une sorcière, tu parles aux araignées. Bah oui. Donc voilà, ça a bouclé la boucle. Je me suis dit, ben, autant plus, comment, échapper à ce terme, parce qu'il nous rattrape, je dis nous, dans le sens les sorcières queer. Féministes qui se battent
pour l'égalité et la fin des oppressions, mais aussi les soignantes, mais aussi les personnes connectées à la nature, mais aussi les voyageuses de l'imaginaire, et pas si imaginaire que ça, parce qu'il y a aussi des connexions avec le avec enfin les mondes se rejoignent, hein. Voilà, je suis passée un peu du coq à l'âne et de la chauve-souris au chien, mais je pense que j'ai répondu plus ou moins à la question. Oui, merci beaucoup Marie. C'est très intéressant de. En fait, tu as répondu à beaucoup de choses tout de suite en donnant beaucoup d'éléments. Enfin, on entend effectivement l'aspect sensibilité. Enfin, la sensibilité au sens d'approche des êtres vivants qui entourent. C'est quelque chose qu'on est sensible au muséum. Hein. Muséum d'histoire naturelle, on s'intéresse aux relations entre l'homme, la nature, le vivant, toutes les espèces. Donc, la spécificité que tu as présentée, si j'ai bien reçu, si j'ai bien compris, c'est aussi une sensibilité par tous les êtres vivants. Tu as utilisé par contre un terme qui est peu connu ou mal connu. Est-ce que tu veux bien en donner une, enfin, je te tutoie du coup, mais en donner une définition queer par exemple. Queer, qu'est-ce qu'on entend par ce terme queer? On entend toujours plein de choses, on entend des bonnes, des moins bonnes, enfin des choses fausses. J'aimerais entendre dans votre bouche que ça signifie queer. C'était une insulte à la base, donc ça voulait dire bizarre, mais dans le sens négatif, une insulte pour le monde LGBT QIA+, dans les années 80, je crois, qui a été reprise comme fierté, comme peut l'être le terme PD, comme peut l'être le terme pute aussi. Hein, donc les personnes qui sont traitées d'eux reprennent le mot et en font une fierté. Comme sorcière, Marie. Oui, Et comme sorcière. sorcière. J'ai Eh oublié oui. le principal. Merci. Et donc voilà. Aujourd'hui, donc queer désigne les personnes qui sont LGBTQIA+ et qui sont politisées dans le sens de l'inclusion et de l'anti-oppression. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont LGBTQIA+ et qui veulent tout à fait rentrer dans le rang, voire renforcent encore les oppressions. Hein, ça existe aussi. Voilà. Et c'est Alors, peut-être aussi, on pourrait peut-être ajouter que c'est aussi un système de pensée qui permet d'éviter en termes de dualité. Et Céline, c'est en ça Céline que je trouve Duchesnay. que, oui, c'est en ça que je trouve que la pensée queer est très enrichissante. C'est que plutôt que de diviser le monde en deux entités qui s'opposeraient, alors si on veut schématiser, on va dire les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les malades, les fous, on a un nuancier et un spectre, ce qui est le mot que Marie aime bien utiliser. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de penser aux êtres humains, de penser à toute forme du vivant dans un spectre beaucoup plus large et pas dans un système d'opposition. Et c'est en ça aussi que ce terme est bien associé, je trouve, avec ce terme de queer, est bien associé avec ce mot sorcière. C'est que on n'est pas dans des choses rigides, on est dans des formes qui sont aussi qui peuvent être floues, qui sont très ouvertes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, on n'est pas enfermé. Donc effectivement, beaucoup dans une tentative de définition, c'est pas très beau définition parce que ça encadre, mais là on va quand même essayer de donner des pistes à comprendre dans quel ce que peut représenter cette identité et en quoi c'est intéressant en termes de sensibilité, ce que vient de présenter Marie. On a donc une sensibilité qui offre une palette large de liens avec le vivant. En fait, si je comprends bien, de respect avec le vivant. Et donc, Marie, vous avez pas mal parlé de lutte contre l'oppression. Donc, il y a aussi beaucoup une idée de lutte contre l'oppression, comme on l'avait une oppression un peu aussi sur la sorcellerie, présentée tout à l'heure, hein, dans les anciens temps. Mais alors, cette oppression aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours aussi présente, Marie? Est-ce qu'elle est de la même force qu'elle pouvait l'être sur le patriarcat fort qui a conduit à ce que des femmes soient portées au bûcher, ou est-ce que ce combat est toujours d'actualité, encore plus fort ou pas aujourd'hui? Les chiffres des violences contre les femmes, les personnes transgenres, les personnes non binaires,
les personnes gays aussi, enfin les personnes racisées, j'aime pas ce mot, mais bon, les personnes non valides, et ainsi de suite. Donc toutes les personnes qui, dont la grossophobie aussi, on a énormément de violence. La société d'aujourd'hui est extrêmement violente par rapport à toutes les minorités. Oui, il y a encore énormément de boulot à faire et de travail à mettre c'est en place. C'est une façon de lutter contre des quadrillages qui semblent désuets. En fait, à partir du moment où on utilise le spectre, le continuum, on ne peut plus être mis dans des cases. C'est s'inventer, se créer. Comment je fais? Comment je me réalise en tant que moi et pas en tant que une case, plus une case, plus une case, plus une case. J'ai le droit d'être ce que j'ai envie d'être, quelle que soit l'étiquette que la société a envie de me poser. Par exemple, en tant que femme cis, je serais censée, pour obéir à l'ordre moral, avoir des enfants, prendre soin de ma famille, être douce, voilà, vous connaissez bien tout le système. Non, pas nécessairement. Déjà, je ne peux ne pas être complètement dans la case femme. C'est mon cas, hein. Moi, je me considère comme fluide. Je peux aussi décider de faire de ma vie autre chose. Je peux être hors catégorie par rapport à tout ce qui m'a été prescrit par l'ordre social. Donc c'est très intéressant ce continuum. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce continuum, dans toutes les personnes hors catégorie, dans toutes les personnes hors normes, dans toutes ces marges, il y a énormément de personnes que moi je considère comme sorcières. Donc est-ce qu'elle se considère aussi comme sorcière? Ça m'intéresse de savoir si on se fait nommer ou si on se nomme. Comment on arrive à assumer une identité sorcière, en fait? C'est un petit nom gentil, hein. Enfin, je veux dire, c'est un compliment. Puisqu'on l'a repris en tant que mot de fierté. Aussi, c'est aussi une façon d'être, de se reconnaître en tant que... En tant que personne, j'ai envie de dire, en tant que femme puissante et pas femme dominée, il y a ce truc-là aussi qui revendique sa liberté, qui revendique le fait de s'inventer comme elle le désire, qui revendique aussi la sororité ou la delphité quand on reprend des personnes aussi trans, non-binaires et ainsi de suite. Donc aussi dans... Parce que pour moi, il y a aussi des sorcières qui ne sont pas des femmes cis. Qu'est-ce qu'une femme cis? Je suis un peu inculte. Qu'est-ce qu'une femme cis? La femme cis, quand elle est née, elle a été reconnue comme femme par ses organes sexuels. On a mis un F sur ses papiers. Voilà. Donc, Il y a associé, oui, pardon. Oui, je dis une bêtise en plus. Ouais. Voilà. Or, aujourd'hui, nombre de femmes ne sont pas des femmes cis et nombre de personnes assignées femmes à la naissance ne se considèrent plus comme femmes. Donc, le spectre est vraiment très vaste. C'est en cela que je disais que le continuum est vraiment important. Et je fais le continuum aussi pour tous les êtres vivants. Je veux dire, j'ai des amis de cœur vraiment très... Enfin, pour moi, ce sont vraiment des amis, quoi, qui sont des animaux. Et je ne peux pas dire j'aime les chiens ou j'aime les chats. Il y a un être en particulier qui est dans mon cœur, mais comme je ne peux pas dire j'aime les enfants ou j'aime pas les enfants, il peut y avoir un enfant qui croise ma route et que je trouve. C'est l'individu, c'est comment est la personne ou l'individu animal. Qui est intéressant et non pas une catégorie particulière. Voilà. Donc ça aussi, c'est casser les catégories de façon... On peut être en relation avec des insectes aussi, c'est possible, à condition de se mettre dans un certain état qui permet aussi à l'animal de pouvoir
de pouvoir générer du sens avec ce que l'on est. Marie. Enfin, je fais des trucs dans la forêt, par exemple, ça m'arrive très souvent hein, de chanter ou d'être, de faire des exercices ou d'être simplement là. Les animaux s'approchent très très fort parce que je n'ai plus mon masque humain dont ils se méfient très fort et avec raison. Donc ils se rapprochent. Quand je fais des séances avec des accompagnés dans le parc au pied d'un arbre, je fais ça dans l'île aux oiseaux, je ne sais plus quel est son nom officiel, dans le parc de Ménil, là, il y a une petite île où il n'y a que plein de paons, des canards, il y a pas tout... les chiens sont interdits, donc ils sont vraiment très tranquilles. Donc on débute la séance tout seul au pied de l'arbre, on termine la séance entouré du troupeau d'oies qui a trouvé que c'était quand même très sympa et que ces humains-là bah, sont cool et on peut venir. Pourquoi ? Marie, j'ai deux questions. Deux questions. Du coup, cette très grande fluidité, cette très grande ouverture, cette très grande ouverture et respect comme ça, est-ce que, donc je comprends bien ce que ça implique, est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez des oppositions dans la société par rapport à cette perception, cette position par rapport à leur relation aux êtres vivants ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que ça pose des difficultés aujourd'hui d'être comme ça ? Est-ce qu'il y a une opposition ? Est-ce qu'on s'isole ? Est-ce qu'on est isolé ? Est-ce qu'on est un groupe à part ? Est-ce qu'on se met avec d'autres qui ne pensent que comme soi ? Comment on se met dans la société comme ça ? Tu veux dire que la plupart des personnes que je connais ne mangent pas d'animal ? C'est déjà un début de réponse. n'arrache pas les branches pour le plaisir, ne considère pas la nature comme étant un matériel utile et non respectable. Oui, je pense que j'aurais du mal à être amie avec quelqu'un qui écrase les araignées devant moi ou qui a un discours totalement je m'en foutiste sur l'horreur des abattoirs. Certainement, mais... Alors, c'est très intéressant parce que c'est très concret ce que tu nous as donné, c'est très pratique, c'est très visuel, on comprend bien ce que ça implique au quotidien comme action, comme relation avec les autres. Et est-ce qu'on peut parler de spiritualité dans cette façon de penser les choses ou pas ? Est-ce que c'est un moment spirituel ? Est-ce que c'est une approche spirituelle du monde ? Oui, je pense qu'il y a dans la spiritualité non religieuse, le fait de se sentir connecté à tous les éléments et à l'univers même. Hein. Donc, là, on est dans ce qu'on peut appeler le grand tout, l'univers, le fait que nous sommes tous reliés, nous sommes tous une part d'eux et tout ça bouge, qu'on retrouve dans pas mal de courants hein, et qui permet de considérer l'arbre, de considérer l'autre humain, de considérer l'insecte, de considérer aussi l'étoile comme faisant partie de la même entité, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc il ne s'agit pas de prier un dieu ou une déesse, mais d'être en connexion avec tout ce qui est et de se rendre compte que ce que l'on est une petite partie du grand tout et que le grand tout nous a donné aussi une petite partie de ce qu'il est. Enfin, voilà, tout est dans tout. Quoi. Alors, il me semble, merci beaucoup Marie, qu'il y a des grands mouvements qui se sont développés ces 50 ou 60 dernières années qui reprennent un peu ces mêmes éléments que je retrouve. On peut le lire aussi dans votre livre, Céline, le mouvement spirituel de la Wicca, qui est un mouvement qui est né en Grande-Bretagne, il me semble, et qui s'est pas mal développé ces 60, maintenant 70 dernières années aux États-Unis, avec des figures fortes qui reprennent un peu, j'entends dans ce que présente Marie, des figures de femmes puissantes, des figures de femmes libres, qui fait le lien entre tous les êtres et la nature, qui s'active et milite contre les formes d'oppression, notamment de domination aussi masculine, qui sont structurantes de nos sociétés. Est-ce que vous avez pu, il me semble que vous avez pu rencontrer des personnes, des figures, notamment Starhawk, qui est un élément fort du mouvement Wicca. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de personnes que vous avez pu rencontrer aussi sur ces mouvements-là, Céline, s'il vous plaît. Mon idée, c'était en effet
de rencontrer des personnes qui se disaient sorcières. Et parmi la multitude des gens, ou en tout cas la grande diversité qu'on peut trouver parmi les sorcières, il y a celles qui sont issues de cette... C'est considéré comme une religion aux États-Unis, ça s'appelle la Wicca, vous l'avez dit, en effet, c'est né dans les années 50 en Angleterre, et les livres de ce fameux Gardner qui a écrit et qui a, je dirais, théorisé une religion, spiritualité néo-païenne. Ces livres ont très vite été publiés aux États-Unis et ont eu beaucoup de succès aux États-Unis. Et c'est après coup que c'est arrivé, que c'est retourné en Europe, parce que la Wicca existe aussi en Angleterre. Il y a ce qu'on appelle des covens, ce sont des couvents, qui pourrait être la traduction en français. Il y en a aussi quelques-uns en France ou en Allemagne, en Europe occidentale. Et le principe, c'est cette connexion, en effet, à la nature. Et la grande figure, la figure en tout cas la plus célèbre de la Wicca, est cette dame qui s'appelle Starhawk, qui doit avoir maintenant aujourd'hui peut-être dans les 70 ans, si je ne me trompe pas, et qui est une grande figure féministe, qui est écrivaine, qui a écrit des livres majeurs, et qui est aussi militante. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup milité contre le nucléaire, contre la globalisation. Elle était, il n'y a encore pas si longtemps que ça, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour faire des rituels. Donc, on retrouve, et qui se dit sorcière, pardon, c'est surtout ça l'essentiel, parce que les gens qui pratiquent la Wicca se disent sorciers ou sorcières. Et il y a beaucoup de branches. La branche à laquelle appartient Starhawk est la Wicca Diani, qui est une branche qui est où au départ, il y avait d'ailleurs beaucoup de c'était plutôt des femmes homosexuelles, et puis ça s'est ouvert à beaucoup de monde, mais c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de femmes. Et toujours est-il que Starhawk, elle ne distingue pas le militantisme d'un combat aussi écologique et de la magie. Et c'est, je crois, en ça qu'elle est sorcière, parce que toutes les personnes queer, par exemple, ne sont pas sorcières, et toutes les sorcières ne sont pas non plus, ne sont pas queer. Et elle, ce qu'elle revendique, c'est vraiment un discours d'action, c'est quelqu'un qui manifeste énormément, qui fait des sittings, enfin qui a vraiment un discours d'action à ses portes, et mais à travers la magie. La magie, Marie a commencé à en parler aussi un peu, quand on en parle avec Starhawk, que c'est une magie, on parle beaucoup d'empowerment, qui est ce terme qu'on pourrait traduire en français par la puissance intérieure, et qui est quelque chose que vous allez chercher en vous et qu'on oppose à la puissance d'effort, à la puissance du patriarcat, à la puissance de l'armée. Starhawk est une grande représentante aussi de cet empowerment, donc puissance intérieure. Et je l'ai rencontrée à un moment donné où elle est venue dans le sud de la France, parce qu'elle fait aussi beaucoup de permaculture, et elle proposait un stage à toute personne qui avait envie de s'intéresser à ce type de pratique. Donc je l'ai retrouvée c'était assez joli et romantique peut-être, parce que je l'ai retrouvée donc en pleine montagne, où elle faisait un stage dans une bergerie assez isolée. J'avais rendez-vous à 22h sous un arbre, et c'était un vrai soir de pleine lune. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Starhawk. J'ai pu assister à des cours qu'elle donnait, qui étaient tout à fait intéressants, sur comment prendre des décisions de manière collective, sans qu'il y ait un chef. Enfin, il y a tout un discours derrière qui est assez enrichissant. Et après, nous avons pu faire l'interview, et elle m'a expliqué comment est-ce qu'elle était devenue sorcière, donc par l'intermédiaire de personnes qui pratiquaient la Wicca, qu'elle a rencontrée quand elle était jeune femme à l'université. Elle-même était de confession juive, elle explique que l'un n'empêche pas l'autre, qu'elle peut toujours continuer à pratiquer sa religion, mais que vraiment l'endroit où elle se sent le mieux, c'est la Wicca. Et c'est quelque chose que j'ai pu retrouver chez beaucoup de personnes qui se disaient sorcières, c'est que finalement les monothéismes enferment, surtout quand on est une femme, où toutes, quasiment de manière générale, n'avaient pas l'impression d'avoir une place dans les monothéismes ou de se heurter face à un dogmatisme très dur. Et ces sorcières que j'ai pu rencontrer, et quand je dis sorcières, je suis comme Marie, hein, j'inclus toute personne, quel que soit son sexe, son genre, son histoire, mais qui se dit sorcière, donc ça peut aussi être des hommes. Et ce sont des personnes, en tout cas, qui... j'en ai perdu mon fil.
par rapport à Starhawk, qui ont en tout cas cette pratique de la magie et de la puissance intérieure. Par rapport au dogmatisme des monothéismes, excusez-moi, je retrouve mon fil. En tout cas, ça correspond aussi, je pense, à un phénomène de société que je trouve, moi, bien intéressant, qui est une certaine lassitude face à un cadre et une manière d'avoir accès à une vie spirituelle. Et ce sont des gens qui ne se retrouvent plus dans les grandes religions et qui préfèrent construire quelque chose, un espace qui leur correspond, alors on pourrait dire à la carte, mais c'est vraiment pas du tout négatif dans ma bouche, mais qui vont puiser dans différentes traditions, que ce soit dans la mythologie, que ce soit dans des cultes païens, mais que ce soit aussi dans une forme de magie, pour avoir un espace qui leur ressemble et avoir une vie spirituelle riche. Et la magie en fait partie. Ça peut être des rituels, ça peut être des choses peut-être plus élaborées, mais en tout cas, il y avait vraiment chez toutes les personnes que j'ai rencontrées cette espèce de méfiance, de rejet ou de déception par rapport au monothéisme. Je les mets au pluriel. Hein. Donc ça faisait quand même partie, parce que finalement elle a recréé ses propres rituels, il y a beaucoup de choses qui sont basées autour de la danse, autour d'une énergie. L'idée, la magie, c'est pas Harry Potter et un coup de baguette magique, hein, mais l'idée c'est quand même de se relier aux autres à travers une forme d'énergie, et après ça peut devenir des choses compliquées, des choses... Voilà, je ne veux pas commencer à être réductrice par rapport à la magie, parce que c'est un domaine tellement immense, mais il y a plein de manières de pouvoir pratiquer la magie, et ça ne veut pas dire qu'on va jeter un sort contre quelqu'un, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on puise en effet dans sa puissance intérieure, tout en étant relié aux autres, parce qu'il y a vraiment cette idée du groupe et de la force du collectif, dans ce que dit Starhawk, hein. D'accord, et si, merci, je merci pense beaucoup. Aussi, si on entend beaucoup plus parler des sorcières aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'éléments qui expliquent ça, et notamment, il y a le fait que les livres de Starhawk, qui pour la plupart ont été écrits de mémoire à la fin des années 80, sont de nouveau accessibles en France, et notamment grâce aux éditions Cambourakis. C'est cette collection qui s'appelle Sorcières, et c'est vraiment grâce à Isabelle Cambourakis que l'on a eu beaucoup plus accès à des livres qui sont assez essentiels par rapport à tout cet univers de la sorcière d'aujourd'hui. Alors, de l'univers de la sorcière, et on a aussi, alors en dehors de pratiquants ou de personnes qui se présentent comme sorcières, j'ai l'impression que la figure de la sorcière est utilisée dans des moments de lutte. Je vais lire un bref extrait de votre livre, Céline, si vous voulez bien, par rapport au Witchblock. Alors, nous sommes des sorcières féministes, exclusives, anarchistes, intersectionnelles, contre les oppressions systémiques. Nous sommes antiracistes, antifascistes, anticapitalistes, antivalidistes, pro-travailleuses du sexe, millions pour les droits de toutes les femmes, cis ou trans, des personnes LGBTQI+, des personnes racisées, militons pour les droits de toutes, et notre groupe est anonyme et en non-mixité. Ainsi que le proclame, notre manifeste pour agir, nous profitons de la visibilité offerte par les manifestations que nous considérons comme des sortes de performances, explique la représentante de Witchblock d'Aix-Marseille, qui souhaite rester anonyme. Donc ça, c'est un extrait, je le rappelle, de votre livre « Les sorcières, une histoire de femmes ». Donc on a la présence aussi, depuis quelques années, repérée, et par contre là, un peu plus, j'étais surprise, visuellement habillée avec des codes, un dress code du cliché de la sorcière avec le chapeau pointu. Là, par contre, c'est pas du tout forcément dans les pratiques dont parlait Marie et tout à l'heure. On est plus dans une utilisation de la figure, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, l'apparition de ces phénomènes? Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est comment c'est utilisé? Alors, c'est pas forcément lié non plus à la pratique telle que nous l'a donné Marie, on lui donnera la parole après pour en parler, mais voilà, cette forme de witchblock, c'est l'apparition de ces groupes. Bah, je dirais qu'il y a autant de sorcières que de femmes, comme autant de féministes que de femmes, hein. Donc il y a quelques points en commun dans les sorcières actuelles dont on parle. Il y a vraiment cette idée du politique et du magique, du spirituel, si vous voulez, qui me paraît assez essentiel. Les witchblocks sont apparus, en tout cas, je crois que le premier, aux dernières nouvelles, est apparu en septembre 2017 à Paris, à l'occasion d'une manifestation contre la loi travail contre le gouvernement. Et on a vu ces femmes
et homme, mais qui était entièrement vêtu de noir, chapeau pointu en effet, donc qui jouait avec le code de la représentation de la sorcière classique, chapeau pointu, les habits noirs. Ils étaient voilés afin qu'on ne puisse pas voir leur visage. Et là, on a des militants. C'est vraiment battre le pavé pour défendre un point de vue, défendre des idées qui font, je trouve, écho à ce qu'a pu dire Marie. Après, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. On les voit peut-être un petit peu moins en ce moment, mais enfin, avec ces histoires de Covid, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de manifestations dans les rues. Mais quelque part, peu importe pour moi que ça dure ou pas, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est à quel point ce terme de sorcière, à nouveau, peut, à des moments de l'histoire, à peu près disparaître, ou alors rester dans les dessins animés de manière un petit peu inoffensive, et puis hop, tout à coup, apparaître comme ça sur le devant de la scène. Et évidemment, le noir fait référence à l'anarchisme. Il y avait aussi un lien qui avait été fait, quand j'en avais rencontré certaines, avec les Black Blocs, et avec cette idée vraiment de remettre en cause fondamentalement la société. Et sauf que c'était fait de manière un petit peu plus, je dirais, joyeuse, avec des slogans assez drôles, généralement, sur, je ne sais plus, le premier qui vient à l'esprit, là, c'est Macron au chaudron, mais il y avait toute l'imagerie autour de la sorcière qui était utilisée pour défendre un combat qui, après, je ne sais pas si Marie fait partie de ou du bloc, mais qui peut faire écho, je trouve, à ce que peut dire Marie. Et par ailleurs, ce sont comme des personnes aussi qui pratiquent la magie. Donc on est quand même dans les mêmes. Ça ne veut pas dire que tout le monde se fréquente, mais il y a des liens. Oui, il y a des liens, c'est ça. En fait, il y a plusieurs formes. On est on est quelque chose de. Je crois que c'est vraiment unique. Pour parler de la sorcière, il faut sortir absolument de cette idée de vouloir unifier ou une unicité de l'idée de la sorcière. Voilà, sorcière contemporaine, c'est bien plus que ça. C'est un mouvement, c'est une idée, une façon d'être aussi. C'est à la fois des mouvements politiques, c'est à la fois une sensibilité. Alors, je tiens à dire que nous, on ne le voit pas. On vous remercie ceux qui sont en ligne et qui nous suivent. On est nombreux. Il y a plein de commentaires qui défilent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions. J'ai beaucoup de commentaires. Moi, j'ai une micro-page, je n'ai pas accès à tout. Donc, j'avais des questions tout à l'heure. Je ne les vois plus. Si on peut m'aider à me remettre les deux, trois questions. Merci à toutes les deux. Je rappelle qu'on est en direct sur la chaîne YouTube du Muséum d'Histoire Naturelle. J'espère que tout va bien pour ceux qui nous suivent. Donc, beaucoup, beaucoup de commentaires de tout ordre. Assez étonnant. Des bonjours à toutes les deux aussi. Alors voilà, on m'a demandé, et c'est un message de Laurie Bordera. Pensez-vous que l'Inquisition a contribué au recul des sciences du Moyen-Âge et que par conséquent le rôle des sorcières était de détenir un savoir médical qui s'est perdu car peu écrit? Alors la partie la plus forte, je trouve, dans cette question, c'est la question du savoir médical et du savoir médical populaire dont il a été question. Est-ce qu'il y en a une de deux qui veut répondre? Marie, par rapport au savoir médical populaire, aux soins populaires, est-ce que vous voulez en parler? Oui, mais par rapport au Moyen-Âge, je pense que Céline est beaucoup plus légitime sur la question que moi. Par rapport à un savoir populaire médical qui se serait perdu ou qui aurait été plutôt interdit aussi, puisqu'en fait, de ce que je comprends, beaucoup de femmes étaient aussi accusées parce qu'elles pratiquaient des soins, des potions, des sages-femmes, tout simplement parce qu'elles pratiquaient des soins à partir de plantes. Aujourd'hui, il n'y avait pas 50 manières de soigner non plus à l'époque. Ben voilà, donc en fait, c'est toute personne qui pratiquait du soin en dehors de la prière. Et puis on pouvait faire une prière et pratiquer le soin en même temps. Oui. L'un n'empêchait pas l'autre. Je crois que évidemment il y a de ça, mais il y a quand même une chose qui me paraît évidente, c'est que à cette époque-là, vraiment l'Église a pris conscience que la magie n'avait pas du tout, ou en tout cas que les anciennes croyances n'avaient pas du tout disparu des territoires ruraux, sachant que à cette époque-là, si on reste sur la France, la majorité des gens vivaient à la campagne, et il y a eu un combat avant tout contre la magie. Et la magie permettait
aussi de soigner, parce que après tout, vous pouviez avoir quelques plantes, mais s'il y avait une prière qui allait avec, est-ce que ça c'est considéré comme de la magie? Bien sûr, surtout encore plus si c'est une prière chrétienne qui n'est pas dite par le représentant de l'Église, à savoir le prêtre. Donc si c'est une femme qui dit cette prière, là on bascule du côté de la magie, ou en tout cas de quelque chose qui n'est pas considéré comme normal. Après, moi je m'étais vraiment beaucoup posé cette question de savoir si c'était un combat contre une médecine nouvelle et une médecine ancienne, la médecine nouvelle étant représentée par les hommes et la médecine ancienne par les femmes. Il y a de ça, mais c'est pas aussi caricatural. Voilà, et c'est ça qui, je crois, est toujours un peu compliqué, c'est que et c'est là où peut-être que moi aussi j'en appellerais à la pensée queer, c'est que d'opposer les systèmes, pour moi, n'est pas toujours une bonne chose, mais de réfléchir aux nuances et qu'est-ce qui fait qu'on en arrivait à ça me paraît beaucoup plus intéressant. Ce qui est évident, c'est que quand on regarde, quand on lit cet ouvrage complètement dingue qui s'appelle Le marteau des sorcières et qui donc a été écrit par deux dominicains à la toute fin du Moyen-Âge, donc on est en 1497 ou 96, on est frappé de voir à quel point il y a un portrait robot de l'ennemi à abattre, et là l'ennemi est vraiment féminin, alors que des traités démonologie, il y en a eu mais un paquet, mais en l'espace de 50 ans, avant on s'attaquait à la magie, aux sorciers, aux sorcières, et là tout à coup c'est dirigé contre les femmes, et parmi les femmes, celles qui sont encore le plus à abattre, il y a les sages-femmes. Il y a des chapitres complètement étonnants sur la manière dont il faut se méfier de ces femmes. Donc moi je m'étais dit mais pourquoi un tel acharnement? J'avais posé aussi la question à Jeanne Favré-Saada, qui est la grande anthropologue qui a travaillé sur la sorcellerie. La mort, les sorts, son livre, voilà, son grand classique sur la sorcellerie. De le lire si ce n'est pas déjà fait. Bon, elle me disait, mais de toute façon, à partir du moment où dans l'espace public, quelle que soit l'époque, ce sont les hommes qui ont la parole, en effet, les femmes seront toujours mises de côté et seront toujours peut-être plus suspectes. Après, quand vous commencez à lire ce marteau des sorcières, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on parle de société misogyne, on parle encore de combat. Lisez ce texte-là. Je ne dis pas ça pour sous-estimer ce qui se passe en ce moment, qui me paraît essentiel, mais ça nous permet de savoir d'où on vient. Et on vient de très, 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 très loin. Enfin, on vient, mais il y a même des choses qui sont presque risibles, c'est-à-dire qu'il y a tout un chapitre qui explique comment les sorcières et les femmes sont capables d'enlever la virilité des hommes, c'est-à-dire elles leur volent carrément leur pénis, elles les mettent dans des petits nids, et on peut retrouver dans ces petits nids tous ces petits pénis frétillants qui ont été pris par des sorcières. Et ça, c'est un traité de démonologie. Voilà, de même que quand on regarde... Le principe des voleurs de sexe reste aussi très contemporain. Ça existe encore beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis à charge, oui, je vois bien que je critique beaucoup l'Église, mais quand vous lisez aussi les textes de l'Antiquité sur le regard que tous les philosophes, que certains philosophes ont sur les femmes, là aussi c'est hallucinant. On vous parle quand même du corps des femmes qui pue, parce qu'on est du côté de l'humidité. L'humidité, à l'époque, l'enfer était sous terre, donc on était de ce côté-là, tandis que l'homme, lui, est du côté du sec, et donc de Dieu. Il y avait un petit système de petits sachets odorant qu'on peut mettre autour de soi, tellement le corps des femmes puait. Et alors l'apothéose, pour moi, c'est les règles, une femme qui a ses règles. Je trouve que c'est tellement extraordinaire, ça fait tellement plaisir aujourd'hui de voir à quel point on peut enfin parler de ça et en parler de manière normale et naturelle. Et là vous voyez qu'une femme qui a ses règles est capable de rendre les chiens enragés, elle est capable de transformer un champ fertile en un désert absolument aride et sec. Donc on vient de là. Donc oui, en effet, il y a ce combat à un moment donné entre deux types de médecine, mais je trouve encore plus intéressant de voir tout ce qu'il y a autour et qui fait qu'on vient de cette société-là, quoi. Marie, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein. Voilà. On est bavard. Je suis intarissable sur la société misogyne. Par rapport aux soins alternatifs, oui.
Oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se revendiquent sorcières ou qui sont des groupes de sorcières pratiquent des soins alternatifs. Bon, moi, je suis dans l'hypnose, le rêve éveillé, le rituel, le travail avec les animaux pour la médiation animale et ainsi de suite, hein, comme je vous l'ai dit. On arrive à des transformations par des moyens qui ne sont pas des moyens dits rationnels. Même si aujourd'hui les neurosciences essayent de comprendre comment fonctionne l'hypnose, le chamanisme et d'autres moyens par la transe, on n'en est pas encore là. Donc on est toujours dans des moyens non rationnels qui permettent de transformer ce que l'on est profondément, ce que l'on désire, comment on se sent. Donc ce sont des moyens thérapeutiques, des moyens de soins. D'autres travaillent avec des plantes. La cueillette aujourd'hui est revenue beaucoup sur donc il y a pas mal de cours de cueillette de plantes et de à quoi ça sert et comment s'en servir. J'en vois passer très très régulièrement, même dans les villes, même dans les parcs. Des personnes travaillent aussi avec des soins énergétiques, d'autres personnes travaillent avec différents moyens alternatifs qui permettent de soigner sans être dans le système dominant des médicaments et ainsi de suite. Voilà. Ça commence à se croiser un peu. Hein. L'hypnose, par exemple, commence à être reconnue. Les hôpitaux font entrer de plus en plus d'hypnotiseurs et d'hypnotiseuses dans les services. Les barreurs et les barreuses de feu aussi, d'ailleurs, entrent de plus en plus dans les hôpitaux. Trouver ça énormément en préparant effectivement l'exposition, Marie, je vous coupe, mais effectivement, la présence de barreurs de feu, je dis comme vous le dites, Marie, la présence de barreurs de feu, on l'a découvert en préparant l'exposition, en travaillant sur le sujet. Il y a plusieurs services d'hôpitaux qui font appel à eux dans les services de grands brûlés. Ils ne le disent pas trop parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de réticences, mais ce sont des pratiques qui se font. Voilà, réticences ou non, médiatisées ou non, elles sont faites. Voilà. Donc il y a une porosité, il y a quand même des passerelles entre science et savoir traditionnel ou autre, ou savoir autre. Je ne sais pas comment le qualifier, mais vous le qualifiez mieux que moi, Marie et Céline aussi. Je prends 2-3 questions du public, vous êtes d'accord, toutes les deux alors, attendez, parce que j'ai quelqu'un qui m'aide gentiment à 4 pattes devant l'écran pour faire des filets. Alors, petite question quand même, et c'est bien, merci. Alors, je ne veux pas dire son pseudo parce que je n'arrive pas à le prononcer, c'est trop de lettres. Ce n'est là. Est-il possible de dissocier magie et sorcellerie? Moi, je vous la donne. Voilà. Est-il possible de dissocier magie et sorcellerie? Je pense qu'on a déjà donné des pistes. Les mots, ce sont des représentations. Tout dépend de ce que l'on met dans ces représentations. Moi, je parle de magie intérieure quand je parle de ma pratique. Je ne parle pas de sorcellerie, même si le mot sorcière me va. Mais le mot sorcellerie, je l'utiliserai peut-être plus pour des pratiques de groupe, dans le sens où on se bat ensemble en faisant des rituels et en étant connectés pour une cause commune. Par exemple, pour aider la nature, hein, ou pour l'empowerment des personnes qui en ont besoin, ce genre de choses-là. Mais pour moi, des rituels anti-finance et des rituels de groupe anti-finance, comme on a pu le voir, par exemple. Est-ce que ça, on qualifie de sorcellerie, alors? On peut se dire ça? Pratique de groupe? Désorceler la finance, utilise le mot désorceler. Et ce sont des pratiques de performance artistique. Mais aussi très, très, où il y a vraiment des personnes qui se revendiquent sorcières ou autres dans les groupes. Hein, donc, j'ai pas la réponse entre sorcellerie et magie. Je sais pas, Céline, si bien. On a plein de questions. Alors, c'est pas grave. On va passer. Alors, j'ai une question qui est cryptique pour moi. Je vous la lis. Hélène Camus, savez-vous quel document a-t-on pu reconstituer l'histoire de Jeanne de Brigue? Quelle réalité, quel mythe? Alors, je ne sais pas qui est Jeanne de Brigue. Je n'ai pas travaillé sur elle. Alors, voilà. Ouais. Alors, Hélène, merci pour votre question. Jeanne de Brigue, on n'y répondra pas ce soir. Sujet sûrement intéressant. Non, je n'ai pas travaillé dessus, non. Merci à vous deux. Bisous. Voilà, ça c'est juste pour vous dire qu'il y a du monde.
Il y a beaucoup de commentaires. Et si vous êtes en ligne, vous avez des questions, parce que je ne vais pas forcément lire tous les commentaires. J'ai envie de lire des questions. Questions intervenantes. Si, c'est écrit en gros. Merci, Lucie GF. Il a été cité à plusieurs reprises l'image des sorcières dans les livres, les films ou la culture mainstream en général, avec Halloween. Que pensez-vous de cette culture sorcière mainstream aujourd'hui? Est-ce qu'elle fait du tort ou pas à la notion de sorcière? Je rajoute, Lucie. Marie, ma sorcière bien-aimée, ça vous embête? Oui, enfin, ma sorcière bien-aimée, oui, bien sûr. Enfin, la petite vie familiale avec avec le nez qui chatouille. Sabrina. les ressources pour bien faire fonctionner la maison et la famille me ramène à un système que je n'ai pas spécialement envie d'associer aux sorcières. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs stéréotypes des sorcières et qu'on sait quelque part quand on les utilise que ce sont des stéréotypes et que ce sont des représentations, des images. On peut les utiliser comme certains groupes le font avec un second degré ou avec la conscience que ça va avoir un impact sur le public puisqu'on est tous et toutes nourris de ces stéréotypes-là depuis l'enfance. C'est que la sorcière, la vieille sorcière avec le nez crochu et avec la pomme rouge, elle fait toujours peur. Donc ça peut aussi être une façon de récupérer de la force, hein, d'utiliser ces stéréotypes-là. Moi, personnellement, je ne le fais pas, en tout cas pour le moment, dans mes pratiques personnelles. Je vois que quand on cherche les parties magiques avec mes accompagnés, souvent on rentre dans des grottes et puis bon, ils rencontrent leurs parties magiques, ces clichés-là arrivent en premier. Et puis seulement après, il y a une arrivée d'une partie magique, d'une partie transformatrice qui est plus subtile et qui est plus adaptée à la situation. Mais la plupart du temps, la première fois que la personne fait cette découverte, c'est d'abord le cliché qui vient. Et c'est pas grave, on dégrossit. Donc voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Et je crois que c'est vraiment le propre. Tous les personnages de la marge, à un moment ou l'autre, sont toujours récupérés par la culture populaire et puis après par le mainstream. Je crois que c'est inévitable. On peut pas, à moins de vraiment vivre totalement caché et éthéré, on ne peut pas, à un moment ou l'autre, ne pas être récupéré. Et c'est pour ça que c'est la même chose avec le vampire, par exemple, quand on voit l'évolution du vampire qui est devenu l'incarnation du romantisme absolu, on est quand même loin de Bram Stoker et encore plus loin des vampires tels qu'on les décrivait au XVIIe siècle. Et je pense que pour la sorcière, c'est pareil. Le fait qu'elle ait pu tellement se transformer comme ça, alors que ça a été une insulte, ça a été vraiment quelque chose qui condamnait une personne à la mort et au feu, autant vous dire qu'à l'époque le feu c'était quand même la pire des morts parce que vous n'avez évidemment aucune chance d'arriver au paradis, qu'après on se soit retrouvé avec des représentations de sorcières dans la littérature où elles étaient plutôt grotesques, plutôt ridiculisées, puis tout à coup elles sont devenues hyper féminines avec un corps très érotique, et puis tout à coup ça devient une jeune mère de famille parfaite qui est l'incarnation de la femme américaine dans les années 50, enfin, je ne sais pas si elle date des années 50 d'ailleurs, ma sorcière bien-aimée, mais c'est ça qui est rigolo, c'est de se dire, mais quelle drôle de figure quand même qui est capable d'avoir une telle vitalité. Alors il y a des moments où en effet peut-être qu'on se retrouve moins dans cette figure très très bien pensante, mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, depuis les années 2010, on a des sorcières qui font à nouveau un petit peu peur, parce qu'on peut dire qu'elles font un petit peu trembler, comparé à Samantha, qui était quand même, dans mon souvenir, une très 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 gentille sorcière, et surtout bonne mère de bonne femme au foyer, je crois, et bonne mère de famille. Oui, bien à sa place. Ouais. Tout à fait, ne sortez pas de sa place. Péril, c'était plus ne surtout dans pas sortir. Coup, c'était plus sa mère. C'était oui, plus sa mère. C'est vrai qu'il y avait du coup deux figures de la sorcière, si on voulait s'amuser à décrypter la série. C'est encore ces deux figures, cette ambiguïté de grande liberté et de grande. Et ça, c'est la même. Qu'elle soit vieille, moche, voilà. Tripée,
ou qu'elle soit belle et hyper sexy, c'est la même chose. C'est que de toute façon, la sorcière, c'est qui à la base? C'est la représentante du diable, c'est la servante du diable. Donc le diable est capable d'avoir toutes les formes, et s'il veut séduire une personne, il a peut-être plus intérêt à avoir une jolie paire de fesses et un corps sublime plutôt qu'à être repoussante, un nez crochu et un capuchon noir. Donc c'est la même personne, qu'elle soit très belle et sexy. C'est la diabolique séduction. C'est la même chose, c'est le diable. La diabolique séduction, le diable. Alors, encore deux petites questions. Alors, une petite question brève, juste déjà beaucoup de merci. Il y avait un commentaire de Don Overbrook. Ce n'est pas une question, mais juste une remarque. Tous les néo-païens ne se reconnaissent pas forcément dans la case sorcier, sorcière. Je suis en tout cas très ravie que ce thème soit mis en avant malgré tout. Merci à vous deux. Voilà, c'est des saluts. Et comme on n'a pas le public, on se fait plaisir en se disant et on vous remercie. C'est important pour nous que vous participiez de cette façon. Alors, si j'avais une question, oui, c'est vraiment pour Marie. Comment s'épanouir en tant que sorcière à Paris? Des pistes par rapport au fait qu'on soit si éloigné de la nature à Paris? Ça, c'est clairement pour Marie. Bah, je ne peux répondre que pour moi, je n'ai pas donné des recettes pour les autres. Hein, dans tout ce que je raconte, je parle de mon cas personnel. Je n'ai pas fait d'études sur ce qui se passe aux alentours. Moi, je vais marcher dans les parcs et dans le bois de Vincennes régulièrement. Quand le Covid n'est pas là, j'en profite pour aller en montagne, marcher et me connecter aussi avec la nature régulièrement. Je pense que c'est vraiment un besoin fondamental, et s'il n'est pas assouvi, c'est vraiment difficile pour moi. Maintenant, il y a aussi le fait d'avoir des plantes chez soi, il y a aussi le fait moi, je fais pousser des graines, par exemple. Je mange beaucoup de graines germées, donc j'ai mon potager sur mon mini-bar. C'est amusant aussi de pouvoir se dire qu'on a un jardin dans un mini-appartement. Il y a aussi le fait qu'il y a il y a beaucoup de gens dans les villes et beaucoup de gens on peut facilement croiser des personnes très, très intéressantes et avec qui il y a des magies justement qui se font très très fort. Dans les campagnes, il y en a beaucoup aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué de les rencontrer, vu qu'il y a quand même la discrétion, surtout quand les citadins débarquent. Donc voilà, pour moi, Paris n'est pas une place moins intéressante pour vivre en tant que personne ou en tant que sorcière positive. J'insiste sur le positif, hein, parce que tout à l'heure, il a été un peu oublié. C'est important pour moi ce positif, dans le sens où il n'y a pas de sort jeté contre des personnes dans les systèmes dans les systèmes sorcières que moi je connais et côtoie. C'est toujours pour quelque chose, pour soigner, pour aider, pour développer une créativité, pour se connecter. À part des sorceliers de la finance, mais qui va vers la libération du monde qui est emprisonné par la finance. Donc, c'est une démarche positive, même si le nom est un peu ambigu. On est dans le positif. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Ça sera le mot de la fin. On arrive au terme de cette soirée, de ce rendez-vous. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Je rappelle qu'on est en direct sur la chaîne YouTube du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse et que ce rendez-vous, cet échange, sera encore disponible un temps en replay. Donc, je vous rappelle qu'on était en direct avec Céline Duchesnay, qui est auteure de documentaires à Radio France, France Culture et chroniqueuse pour l'émission Mauvais Genre, et Marie Lizel, praticienne en hypnose érectionnienne. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce rendez-vous dans les conditions numériques. Voilà. Demain soir, ça continue sur une thématique assez proche. Rendez-vous sur l'écoféminisme avec Jeanne Burgat. On vous invite à nous rejoindre demain, même heure, 18h30 pour le direct et à poser vos questions sur le chat. Merci beaucoup, très bonne soirée et à très bientôt pour la suite des programmations Muséum de Toulouse. Bonne soirée.